Ça, vraiment, là, tu vois, ça fait quoi, 2-3 semaines que j'ai pas fait ça? Ça m'avait vraiment manqué, en fait. Allez, Foufi, fais la nocturne. Ah, la madré. Et tu la verras demain. Ah, mon gars, je vais te ramener la madré demain soir. Rien à foutre, elle respecte rien, comme ton fils, voire même pire. Tu vois, là par exemple, pour moi, là dans cette config, c'est pas gênant que je le fasse en fait. Tu vois? Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, parce que voilà, tu vois. Puis ça fera la petite story du jour, Foufi. Bah où? Bah où? Ça va refaire la soirée des abonnés. C'est ça. Au moins. Voilà. Là où c'est traître, en fait, c'est que vous pensez que l'intérieur, même s'il est rouge, enfin, on verra pas que c'est sale, mais vous rendez pas compte. Donc là, je viens de le finir, regarde. Là, on le voit pas vraiment avec le flash, mais c'est tout noir. Donc en fait, même quand c'est des intérieurs comme ça, foncés, bah, là où c'est traître, c'est qu'on a l'impression... Putain, il y a le bon Nassim, regarde. Les vitres teintées en même temps, comme ça, on est carré. Ça, j'aurais absolument plus rien à faire sur la voiture. Putain, comment c'est serré à l'arrière. Ah, tu vois, imagine quand j'ai voulu poser la lunette. Bah toi, t'es grand, ma poule, hein. Tu fais quoi, 1m80? 85. 85, putain, ça, tu devais galérer là-dedans. En plus, ça fait 1m46, mon pote, j'ai même pas rentré. Je te jure, je suis en train de me niquer le dos. Là, c'est pour la passion. Ouais, puis le rouge, il est beau et la voiture est très belle, elle est neuve, tu vois. Ça va ressortir grave.
Et au moins, c'est pas ça que j'aurais à refaire après, tu vois. Au moins, c'est fait. Ouais. Voilà. Je sais que normalement faut sortir le tapis, mais t'inquiète. Là j'ai pas la force là. Il y avait 2-3 trucs sur le tapis qui étaient dégueulasses. Donc, hors de question. Bon, il me reste plus qu'à mettre le produit sur le cuir pour l'hydrater. Et je vais rentrer et du coup demain je ferai l'autre moitié parce que là j'ai fait la moitié de la voiture. Et demain il me restera plus qu'à faire l'autre moitié. Là j'ai regardé Waze, je suis à 30 minutes de chez moi donc c'est vite fait. Je remercie quand même Mika, frérot, qui évidemment les gens ils sont rentrés chez eux, que Mika m'ait laissé l'atelier avec les produits et tout. Donc voilà, je finis ça et je vous montre le résultat. Ça c'est le moment que je préfère, c'est comme quand tu tartines un petit cul. Après moi j'ai toujours préféré les gros culs, mais chacun sa vie, tu vois. Mais c'est incroyable, là tu vois, tu sens que c'est propre, c'est doux. Seigneur, ça c'est vraiment mon délire, ça j'adore le faire. Après ça sent le cheval dans la voiture, je vais pas te mentir. Mais bon, au moins tu sens que voilà, là, le cuir il est nourri, il est beau. Dans 10 minutes il sera à nouveau terne, tu vois. Et voilà frère. Voilà. Seigneur. Voilà.